Aujourd'hui, nous sommes quatre continents réunis. Et avec le cœur plein de joie et d'allégresse pour la reconnaissance de la sainteté d'Émilie de Villeneuve, nous bénissons notre Dieu et nous commençons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons. Missão é contigo.
parte do castelo. Escutemos. Sua amiga Coralie partilhará conosco o relato deste encontro. Se paró al pasar delante de una pequeña estatua de la Virgen, que desde hacía tiempo conocía todos sus secretos. Su oración fue corta, pero qué fervorosa. Me quedé sola en la iglesia. Por fin, después de una media hora, llegó Emily. Salimos enseguida de la iglesia. Su fisonomía no había perdido nada de su serenidad. Qué desengaño, me dijo. No creía que mi padre se afligiese tanto con mi resolución. Sabes que se está ocupando de reemplazar a mi mucama, que acaba de morir. Empalme con esto para contarle todo lo que quería decirle. Padre, le dije, según la determinación que he tomado, es inútil reemplazar a Rosa. No necesito ya una mucama. Y vengo a confiarle todos mis proyectos. A estas palabras, él cambió de cara. Su libro cayó de sus manos. ¿Y qué proyectos, Javier? No serán conventos, espero. Oh, no, padre. ¿Qué es entonces? ¿Quisieras dejarle? Había tanta expresión en sus palabras que si Dios no me hubiese sostenido, mi coraje iba a desfallecer. Padre, le dije, es por Dios que os dejo. Quiero ir a servir a los pobres con las hermanas de la caridad. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus lui dit, tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé. Que me manque-t-il alors? Jésus déclara, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. La vie propre.
Quel immense avantage pour l'homme qui est appelé, mais aussi quelle obligation Dieu daignera vous les faire connaître pour chacun de nous. En pensant à notre propre réalité, chacun de nous peut s'interroger. Que signifie pour moi aujourd'hui passer à l'autre rive? Quelles sont les rives que je dois encore atteindre dans ma propre vie, ma communauté, ma famille, mon travail et dans mes relations? Prions. Signore, par la intercession de Marie, exauce nos prières. We recognize, Lord, in endless vocation, the power of your Spirit acting in the hearts of your people and in the world. We are convinced that the same Spirit spreads endless charism in the world through the sisters and the brothers, through the lay people and friends of Emily, through all the people helping us in the mission. We thank you, Lord, for all the new paths of fidelity and solidarity with the poorest people that your Spirit inspired to our blue family. Increase our desire of accomplishing your will, of looking for it everywhere in all things. Make us every day more attentive to the calls of today's people, to be more committed to where your hands and compassion are most needed. Let us pray to the Lord. Seigneur, par l'intercession de Marie, exauce nos prières. Nous te rendons grâce pour la vie consacrée et pour ton œuvre de salut que tu continues de réaliser à travers Émilie dans le monde. Nous te rendons grâce pour les charismes variés qui sont autant de grâces que tu fais pleuvoir sur ton Église. En union avec le Saint-Père, le Pape François, nous te supplions afin que les consacrés assument pleinement la mission charismatique qui est la leur, qu'ils soient dans le monde témoins de ce Christ qui invite aujourd'hui à la radicalité de l'Évangile. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Prions le Seigneur. Seigneur, par l'intercession de Marie, exauce nos prières. La immigration est une réalité qui affecte à muchos pueblos, países y organismos nacionales e internacionales. Hay tantas víctimas que huyendo de la pobreza y de la guerra arriesgan sus vidas en busca de la paz y un futuro mejor. Te rogamos para que encuentren la vida y las fronteras abiertas. Te rogamos, Señor. Et de la première communauté dans les débuts de la vie bleue des sœurs de l'Immaculée Conception de Castres. Ces clés ont ouvert à Émilie les portes pour aller au-delà de sa propre culture, de sa réalité. Chacun, chacune
nous avons la clé. Entrons ensemble à la maison mère pour explorer à partir du cœur d'Émilie les défis du chapitre général. Contemplons la photo des clés de la maison mère. Avec ces clés, ouvrons les portes de l'interculturalité, de l'inclusion et de la solidarité avec les peuples les plus abandonnés et les plus méprisés.
merveilleuse. Et je voudrais, avant de donner, que nous donnions la bénédiction, remercier tout spécialement les sœurs qui ont préparé cette veillée. Elles nous ont aidé à découvrir mieux le charisme propre des milliers de mineurs et le charisme de la congrégation. Ce charisme qui, nous pouvons le constater, demeure extrêmement vivant. Alors, ensemble, continuons tout au long de ces jours à Rome à rendre grâce et que les évêques s'avancent pour que nous puissions ensemble bénir le peuple de Dieu, bénir la congrégation. Ceux qui sont venus de l'Espagne. E os que vieram da diocese de Petrolina, do Brasil. Que são venidos de Burkina Faso. Ceux que são venidos de Mato Grosso. Les personnes qui sont venues d'Afrique. Amen. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Nous